Yeah, tu penses qu'être un noob est une maladie. C'est juste un débutant qui aimerait être accueilli par une communauté. Trop souvent agressif par une communauté, trop souvent dépressive. La qualification a changé depuis quelques années. À présent c'est le gars qui play avec des âmes cheatées. Mais espèce de con, est-ce que je dois te rappeler que le noob vient de démarrer et qu'il aimerait être aidé? Tout de suite tu montes en pression sans aucune raison, parce qu'il t'a kill avec une arme un peu élevée. Tu te mets à rager, voir l'insulter en disant qu'il est cheaté. Non, c'est toi qui es mauvais. Va sur un autre jeu dont tu n'as pas l'habitude. Avec toi cette communauté sera rude. Le pro gamer est tout juste inexistant. La personne te disant je suis balé sur tous les jeux, mens. Comprends bien que t'es passé par là. Ce n'est pas parce que maintenant tu claques une nucléaire que tout le monde doit avoir le même niveau que toi. Enseigne-leur tes techniques et ils y verront plus clair. Le noob n'est qu'un débutant, il découvre le jeu, laisse-le prendre son temps. Ce n'est pas en critiquant ou l'insultant qu'il deviendra un gamer excellent. Sa vie n'est pas facile, voire insipide, se faire insulter à longueur de partie. Certaines insultes peuvent mener au suicide. Cela fait un surplus des embouts de famille où il n'est pas épanoui. À présent, si vous croisez un débutant, proposez-lui un peu de votre temps. Pensez d'abord à vous amuser en jouant. Réveillez votre âme de gamer, ça ne prendra qu'un moment. Le noob n'est qu'un débutant, il découvre le jeu, laisse-le prendre son temps. Ce n'est pas en le critiquant ou l'insultant qu'il deviendra un gamer excellent.